Faut encore gagner contre Fidji pour espérer se qualifier. D'accord. Et après, sortir un gros match, sûrement contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale. On a trop balancé, on a trop mis les longs ballons devant. En plus, on n'a pas beaucoup de gabarit devant, donc des longs ballons, ça va pas trop mener à construire le jeu. Au deuxième match, on a plus fait le jeu, on a posé, on a joué à terre, on a joué rapidement et c'est là que ça a mené. D'accord, vous avez changé carrément entre les deux matchs. J'ai pu bien progresser physiquement. On a eu beaucoup de séances physiques. Et techniquement, on a eu 5 entraînements par semaine. Donc on a bien progressé. Et au niveau compétition, on a pris l'habitude. Déjà au niveau de sa performance, il a réussi à faire son travail que l'on avait mis en place au niveau du collectif. On avait un plan de jeu à mettre en place et là il était monté en puissance, donc c'était important qu'il puisse bien analyser ses adversaires et il l'a fait. Et puis derrière, collectivement, on a essayé de remonter le ballon et en jouant au football, en sautant pas les lignes. Donc lui, il avait un rôle bien défini, donc il l'a respecté, à la lettre. Et puis, ça prouve que voilà, le tournoi est lancé et c'est de bonne augure pour la suite. Oui, maintenant on s'est qualifié, on a pu voir ce que c'était. Et maintenant on sait que tout est possible et si on continue comme ça, on va faire ce tournoi. Après le premier match, c'était collectivement, on était fatigués et puis on a essayé au maximum de charger les premiers entraînements pour vite s'acclimater au temps. Et bon, c'était un risque, hein, mais bon, ce risque-là, on savait que derrière, pertinemment, qu'il y aurait deux matchs encore et puis il ne fallait pas le perdre, on l'a perdu. Il fallait se remettre au travail et puis. Faire un bon tournoi personnel. Et sinon ouais, c'est juste surtout la qualification. Quoi. Comme tout jeune footballeur, c'est d'être professionnel et d'aller le plus loin possible. Qu'il fallait déjà qu'il se lâche, qu'il muscle son jeu et qu'il joue sur ses qualités. Et dans la dernière passe ou dans la finition, il fallait qu'il s'applique. Soit pour faire la différence. Il a été meilleur, l'équipe a été meilleure, donc si l'équipe a été meilleure, c'est que derrière il a pu s'exprimer et puis, faire en sorte qu'il puisse faire son travail jusqu'au bout. Et physiquement il était bien. Bon, voilà. Après ça a payé et puis c'est de bon augure pour l'équipe.